Debré Michel, homme politique français, nous disent les dictionnaires. La formule est bien vague pour évoquer l'une des personnalités les plus importantes et les plus controversées de l'histoire politique française. De quel genre d'homme politique s'agit-il? Quels mots définissent sa personnalité? Est-il républicain? Oui, assurément. A-t-il comploté contre la 4e République? Oui, également. Est-il passionné? Toujours. Jusqu'au ridicule? Parfois. Est-il conservateur ou réformateur? Les deux, mon général. Est-il gaulliste? Oh là oui, à coup sûr. Et avec une telle fougue que le général lui-même en sera agacé. Étrange personnage que cet homme politique français qui a parfois agi contre ses propres convictions. Personnage paradoxal que cet activiste si profondément pessimiste et qui se moquait de la popularité. Et finalement, personnage émouvant, mais oui, tant il est mal connu, mal aimé et sans doute souvent malheureux. Michel Debré a eu 4 fils. Vincent, un homme d'affaires, François, un journaliste, et des jumeaux, Bernard, urologue et député, et Jean-Louis, devenu président du Conseil constitutionnel. Et eux, l'ont-ils toujours compris? Un jour, j'arrive à la maison. C'est une image. Beaucoup de chocolat, des fleurs, le téléphone qui sonne. Je me tourne vers ma mère, j'avais 14 ans, je dis « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Ton père est Premier ministre. » 2 ans plus tard, j'arrive à la maison. Plus de fleurs, plus de bonbons, plus de chocolat, plus de téléphone. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père n'est plus rien. Je ne veux pas décrire mon père comme toujours mortifié, parce que c'était un homme qui avait tellement d'allant, qui faisait tellement de réformes, il était tellement heureux dans les réformes, mais qui avait à côté un certain nombre d'événements qui lui déplaisaient. 68. Il avait la passion contagieuse. Il avait la foi qui arrivait à convaincre. Et les gens qui l'ont entouré, c'est d'ailleurs une constante, jusqu'à sa mort, des gens totalement dévoués, qui croyaient en lui. Il était plutôt intolérant. Mais pas... Je vous dis, il ne comprenait pas qu'on puisse avoir une autre analyse de la situation, des faits et des décisions à prendre. Vers la fin du livre, vous dites « Nul gouvernement n'aura jamais autant fait pour le redressement de la nation ». Et puis 2 pages après, et ce sont les 3 derniers mots de votre livre, vous dites « Tout est vanité ». Vraiment tout est vanité? Tout est vanité, c'est ces mots qui terminent le récit un peu triste de mon échec électoral. Donc ce n'est pas tout à fait lié à l'œuvre gouvernementale, c'est lié plutôt à ma carrière personnelle. Ce parti qui veut être la France et qui veut rétablir la guerre scolaire. On ne peut pas comprendre mon père si on n'a pas présent à l'esprit un certain nombre d'éléments. D'abord, l'origine familiale. Voilà, une petite famille d'Alsace, le grand-père rabbin de Weisthofen, et qui quitte l'Alsace en 1870. Pour ne pas devenir prussien et éviter les conséquences du traité de Francfort. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les communautés juives françaises étaient extrêmement attachées à la République et à la France. C'est en 1792 qu'un décret a fait des juifs de France des citoyens français à part entière. Et de cette époque date vraisemblablement l'attachement à la France et à la République. Son père, Robert, est l'un des plus grands pédiatres du pays. Sa mère, médecin également, est l'une des premières femmes à réussir le concours de l'internat à Paris. Les liens entre Robert et Michel sont étroits, mais c'est une famille où l'on ne s'épanche guère. Par pudeur, l'intimité ne se dévoile pas.